Moi, c'est Souma Sévérin. Je suis âgé de 34 ans et j'ai une fille, mais je suis célibataire. Ouais, j'ai commencé à travailler dans Gébana en 2010. Réponds, j'avais commencé comme décortiqueur. Oui, maintenant, ensuite, on nous a formés. Ensuite, maintenant, je suis devenu un responsable décortiquage. Mon travail comme responsable au déco, bon, je vais dire que c'est un peu complexe. D'abord, le matin, quand tu viens, il faut tourner autour de toutes les équipes pour leur demander leurs difficultés, ce qu'ils rencontrent. Est-ce qu'ils peuvent travailler dans cette condition? Donc, il y a un dialogue qui est là entre vous chaque matin. Un dialogue qui se fait entre vous et que tu t'assures que cette dame, elle est apte à travailler. Et ensuite, maintenant, si elles ont des préoccupations sur leur machine, sur l'huile qu'elles utilisent, sur autres produits qu'elles ont besoin, elles peuvent apporter aussi leurs idées pour l'amélioration du travail et pour leurs conditions de travail. Et pour ça, on les dit chaque fois, on les approche, eux aussi nous approchent. Ouais. Et après la concertation avec les dames, on procède maintenant à la distribution des noix, à savoir la quantité journalière que chaque couple doit travailler. Si elles ont leur quota du jour, elles peuvent passer maintenant au décortiquage. Et le décortiquage constitue à concasser d'abord une première fois les noix et ensuite à trier les noix de leur coque pour enlever les amandes du coque et ensuite à placer les différentes grades. C'est-à-dire qu'il faut épargner les huileuses, il faut épargner les pourris, il faut enlever peut-être des objets étrangers s'il y en a et ensuite maintenant les entières à part où elles sont payées et les fendues aussi à part. Je suis délégué du personnel et je suis aussi dans le comité sécurité et santé des travailleurs. Le délégué du personnel, là-bas, c'est le souci majeur des travailleurs, c'est leurs droits, bon, c'est leurs revendications. Et à chaque campagne, on dresse une lettre au DG, on rencontre le DG, on discute avec lui pour l'amélioration du travail et des conditions du personnel. Et ensuite, maintenant, il y a santé et sécurité des travailleurs. Ça aussi, c'est une chose à part, hormis qu'on est délégué. Ça, il faut s'assurer que les travailleurs ont du matériel à travailler et qu'ils sont protégés dans leur lieu de travail. Puisque, pourquoi je dis ça, on travaille avec des machines, c'est manuel. Et l'accident, c'est quelque chose, c'est imprévisible. C'est imprévisible, mais tant qu'on recrute une femme, elle a droit à une formation sur la machine qu'elle travaille. Sans formation, tu ne peux pas travailler avec cette machine, c'est très dangereux. Il va falloir qu'elle sache le danger qui l'attend, la formation, comment elle doit pouvoir utiliser bien ces machines pour pouvoir mener à bien son travail et gagner son pain. Il y a ça. Et ensuite, hormis l'utilisation des machines, il y a la coque qui est là. Pour les problèmes de main, depuis votre entretien, on vous met au courant comme quoi le travail que vous allez commencer n'est pas facile. Et avec l'acide qui est obtenu dans la coque, n'est pas facile. Mais c'est quelque chose, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut écouter les conseils et il y a des pratiques à suivre. Donc quand vous décortiquez, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vous arrêtez. Vous essuyez avec les torsions, très bien. Vous imbimez votre main dans l'huile. Vous commencez ensuite à décortiquer. Et c'est cette phase qui est un peu délicate. Il ne faut pas oublier. Ça là, la formation de coupe est très très importante pour la réussite du travail. Si vous faussez ça, il y a toujours des querelles. D'abord, elles sont travaillées tous. Elles sont aptes d'abord à concasser
et à trier. Elles savent faire tout ça. Puisque s'il n'y a pas une seule personne qui est là chaque jour, qui est sur la machine, qui... Non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. Puisque elle aussi, elle fatigue. Elles ont ce droit de planifier elles-mêmes leur travail. Ça, ce n'est pas une imposition. Ça, ce n'est pas moi, je l'ai dit. Mais il y a des femmes qui partent en congé de maternité. Bon, si vous prenez dans la salle du déco, il y a beaucoup de femmes qui sont en congé de maternité. Et pourtant, on n'a pas recruté. Bon, elles peuvent faire 4 mois, 3 mois en congé de maternité. Elles reviennent prendre leur place parce qu'on n'a pas besoin de recruter. Puisque la quantité et l'objectif, on peut atteindre ça. Donc, quand elles reviennent seulement, il n'y a pas un problème. Voilà. Quand elles reviennent, elles partent à la crèche. Discuter d'abord avec eux. On leur dit comment elles peuvent venir garder leur bébé et planifier avec eux là-bas. Bon, on travaille dans un parfait symbiose. À 1h, 10h, 11h, elles sortent pour aller entretenir avec les bébés. Ensuite, elles rejoignent la salle. Donc, la crèche nous aide beaucoup pour ça. Et quand je vois ces 158 femmes qui sont là et qu'on travaille ensemble dans une parfaite harmonie, c'est ça qui me plaît. Tout le monde gagne. Gagnant-gagnant. C'est cette politique qui est visée. Pour le futur, moi je veux que le Burkina Faso obtienne l'entreprise, c'est-à-dire la société, la plus grosse société qui transforme beaucoup de Noirs. Et moi je veux voir ça. Je veux faire un vécu de ça pour voir de quoi on est capable. Ça en tout cas, oui. Ça c'est mon rêve à moi. De voir qu'on peut travailler avec des milliers de femmes. Oui. I don't know what I'm doing.